sors de chez moi, mais c'est quoi ton problème, hein? Allez, sors de chez moi. Sors de chez moi. Allez, sors de chez moi. Dehors. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Après avoir profité de moi, vous me chassez comme une chienne. Que Dieu vous punisse. Écoute, meuf, sors de chez moi, non? Je vous jure que Dieu va vous punir. Dégage. Écoute, hein, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas envie de te battre. Sors de chez moi. Je vous punis, je vais vous punir. Comme si ça ne suffisait pas. Écoute, non, mais dégage. Écoutez, les gars. Meuf, mais sors de chez moi, mais qu'est-ce que tu prends, meuf? Sors de chez moi. Oh, meuf, mais tu m'agaces, je n'ai pas envie de te battre. Écoute bien, je ne vais pas te battre. Je ne vais pas m'assumer sur toi. Écoute, meuf, sors de chez moi. Écoute, sors de chez moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Sors de chez moi, hein? Sors. Lâchez-moi. Je vais te battre. Sors de mon maison, qu'est-ce qui ne va pas? Sors de chez moi. Sors. Qui va là? Samson. Vous trois là, vous avez abusé de cette fille. On ne lui a rien fait. Vous voulez la tuer? Vous avez fini de l'utiliser à votre guide. Maintenant, vous voulez la battre et la traiter comme une moindre rien, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Attends, Destiny. Hein? Destiny, toi, en fait, tu as l'audace de venir chez moi, me faire la morale sur ce qui te concerne. De quelle maison tu parles? De quoi je me mêle? C'est tout. Est-ce que vous pouvez posséder une maison? Bien sûr que non, écoutez très bien. Nous sommes tous là, écoutez. Votre temps est arrivé d'arriver dans cette communauté. Vous en êtes de trop dans cette communauté. Et quand ça sera fait, vous allez voir pourquoi on m'appelle Destiny King Kong. Destiny, on n'a rien, vous êtes. Destiny, ne m'énerve pas, sors. Où est-ce que tu vas? Si tu la touches, je vais te montrer pourquoi on m'appelle Destiny King Kong. Sors de chez moi. Vas-tu me faire? Que vas-tu me faire? Dégage de là. Qu'est-ce que tu veux qu'on te ferme ta bouche? Tu ne vas rien me faire. Dehors, ce que tu fais. Je vais vous jeter dehors. Si tu touches à cette fille, je te prends. Tu vas voir ce que je vais faire. Dégage! Allez, sors! Sors de chez moi! Madame, écoute! C'est là! Te voilà, je te préviens! Je te préviens, que ce soit la dernière fois! Que ce soit la dernière fois! Écoute-moi très bien, que ce soit la dernière fois! Je te préviens, que ce soit la dernière fois! Ferme ta bouche, tu ne peux rien me faire! Ne reviens plus chez moi! Allez, sortez! Je ne veux plus vous revoir dans le coin, vous allez le regretter! Ne vous inquiétez pas! Je vous le promets! Les gars! De pauvres gars! Les gars! Toi là! Les mecs. Dégagez! Allez, dégagez de là! Mec, reviens. Écoute, on va régler ça plus tard. Ah ah! Les gars, vous voyez ça? Hein? Vous voyez ça? Ne t'en hein? fais pas! Vous voyez? Ne t'en vous voyez? Fais pas! Hein? Ne t'en vous voyez, pas. Vous voyez ça? Hein? Ne vous voyez t'en ça? Fais surtout hein? Pas. Ok, d'accord. La prochaine fois, Destiny, je vais te tuer moi-même. Je jure, ce Johnsonet, il mourra très mal. Je jure. Destiny, tu vas jamais cesser de me surprendre. Qu'est-ce que c'est encore, hein? Hein? Plusieurs caractères en une personne. Tu ferais mieux de rejoindre les cacheurs du village. Ah, William, si quelqu'un d'autre se moquait de moi, je le jure, ça n'aurait rien de drôle. Je t'assure. Ah, mais ce que tu fais est assez amusant pour que quelqu'un rie. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce Johnson, il ne mourra pas bien. Il m'a frappé avec un bâton, un gros bâton. Il t'a frappé ou il t'a puni? Il m'a frappé, juste comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Ah. Je te demande, qu'est-ce que tu lui as fait? William, si tu me demandes aujourd'hui et demain, je te dirai la même chose. Je n'ai rien fait. Et je vais continuer de le demander. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait? Réponds. Je n'ai rien fait. Laisse-moi tranquille, non, William. Mais non, tu grises ton petit ami, hein? Hein? D'accord.
J'imagine que tu veux rester seule. Alors reste seule. Attends, non. William, pourquoi tu veux me laisser? Destiny, qu'est-ce que tu as fait? Vas-tu me parler? Qu'est-ce que tu as fait à Johnson? Parce que je te connais très bien. Tu as sûrement dû faire quelque chose. Allez, parle. Tu refuses de parler, n'est-ce pas? D'accord, lâche-moi. William, pourquoi non? Si je te dis maintenant... William! William! Williams, je n'ai pas cessé de te chercher partout. Bonjour. Bonjour. Je croyais que t'étais sortie pour faire du business. Oui, maman, je suis rentrée plus tôt et puis je suis allée voir une amie. Tu es allée voir une amie? Oui, maman. Tu veux dire que tu es allée voir une amie qui est revenue te voir? Quel ami? Tu dois te débarrasser d'une telle personne. Moi, ta mère, je te recommande d'oublier cette fille. Quoi? Désolée. T'es désolée? Combien d'excuses je dois recevoir de ta part? Allez, vas-y, dis-moi, Destiny. Et combien de fois devrais-je accepter? Hein? De quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux? Autant que tu peux, non? Oh! Autant que je peux. Ah! Et c'est pourquoi tu te comportes n'importe comment. Je peux même pas marcher dans ce village étant content. Hein? J'ai honte de moi quand je marche dans le village. Est-ce que c'est parce que je t'aime? Bébé, écoute, regarde, je sais que tu m'aimes. Qui t'a demandé de te lever? D'accord, j'y retourne. C'est bon, arrête, assieds-toi, madame. Écoute, je sais que tu m'aimes. Et tu sais dans ton cœur que moi aussi je t'aime. Tu sais que je t'aime beaucoup. Alors, c'est quoi le problème? Non, dis-moi, c'est quoi le problème? Hein? Je suis désolée, je ne le referai plus. Destiny, promets-moi que tu ne vas plus t'écrier des ennuis. Je te le promets. S'il te plaît. Parce que ma mère n'est plus contente de ta présence dans cette maison. Je suis désolée. Oh. C'est d'accord. Alors rentre chez toi et prends un bain. Je vais t'amener quelque part. Tu vois pourquoi je t'aime? Tu sais comment me traiter. Lâche-moi! Allez, va prendre ton bain, t'es sale, tu sens pas bon. Moi? Oui. Je sens? Si j'ouvre ça maintenant, tu nageras à l'intérieur comme si ta vie en dépendait. Tais-toi, ma mère est juste derrière. Tu sais très bien nager, on dirait un très grand seau de crème glacée. Hein? Ma mère est juste derrière toi. N'aimes-tu pas ça? Tu aimes ça? Comme une grande piscine de crème. Maman! Oh, Destiny. Hey! Bonjour, maman. Oh, mon Dieu. Maman, j'arrive, je m'en vais. Hey! Abomination. Abomination. Nager. Des dents comme une grande piscine remplie de crème. Abomination. Vas-y, nage. Nage encore. Nage dans cette piscine. Vas-y. Nage. Nage encore. Nage. Tu veux nager dans ce seau? Vas-y, nage. Hey! Hey!
Our love, oh, our love, oh, our love, amaka. Our love, oh, they may try to stop our love. I don't go like. Tu as déjà bu, c'est mon tour de boire aussi. Allez, passe-moi la bouteille. Our love, c'est moi qui ai vidé la bouteille. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Regarde. Regarde comment tu as vidé la bouteille. Bien au contraire, c'est toi. C'est pour ça que tu ne fais que pisser. Il en reste pour moi. Tu vois, tu veux remplir un fût de ta pisse. Hé, mec. Tu as vu cette bombe? Wow. Kingsley, tu la connais? Wow. Je la vois toujours passer dans le coin. Mais j'ignore où elle habite. Emily, quoi de neuf? Fred Johnson, bon après-midi. Bon après-midi, où vas-tu? Ah, je vais faire une commission. Pour qui? Je n'ai pas besoin de répondre à ça. Hey, hey, c'est méchant ça. Je veux que tu m'accompagnes chez moi, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis désolée, je ne vais pas aller nulle part avec toi, j'ai encore du chemin à faire. Tu m'écoutes quand je te parle, hein? Les gens comme toi ne s'adressent pas à moi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ah! Oh. Oh. Je peux te faire tout ce que je veux tout de suite et il ne se passera rien. Hey, hey, Johnson, lâche cette fille, nous devons partir maintenant. Allons-y, allons-y. Lâche-la, garçon. Allons-y, partons. Mon Dieu! J'en sais rien, mais je dois rentrer maintenant. D'accord, c'est compris. Oh, avant que tu n'oublies ton charme. Voyons, c'est pour toi, mon bébé. C'est pour toi. Merci. Tu prends trop bien soin de moi. Pour que tu sois fraîche pour moi. Merci. Je dois y aller maintenant. D'accord. Dis bonjour à maman. C'est d'accord. Mon bébé. Mon petit cœur. Mon petit bébé. D'accord, à plus tard. Ben voilà, bébé, n'oublie pas d'acheter du lait pour accompagner le shawarma, pour que tu sois sexy et fraîche pour moi. Tu comprends? Hey, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Émilie, qui t'a fait ça? Ma chérie, parce qu'elle a refusé de lui répondre, voilà pourquoi il l'a frappée de la sorte. Émilie, qui t'a fait ça? C'est Johnson. Quoi? C'est Johnson qui t'a fait ça? Arrête-moi ça. Destiny, où est-ce que tu vas? Destiny, hein? Tu viens juste de rentrer. Destiny, tu viens juste de rentrer. Destiny! Ça fait tellement mal. Ça fait encore mal. Ça va aller. Je suis désolée, hein. Désolée. Ça va aller, ok? Désolée. Ça va aller, ok? Stop. Attends. Allez, joue, mon vieux. Ah, si tu ne joues pas, je vais le faire. Pourquoi tu me presses? Je vais jouer. Allez, mec, c'est ton tour de jouer maintenant. Allez, vas-y, bouffe. Ah, bouffe, allez. Allez, bouffe. C'est quoi ton problème? Allez, vas-y, bouffe, allez. Que tout le monde bouffe. Mais c'est quoi, mec? Ah, regarde ton jeu.
Allez, joue, mon pote. Les gars. Ah, mec, ton argent est parti. Ah, pourquoi tu fais ça, hein? S'il te plaît, ne fais pas ça. Allez, ce jeu ne rapporte rien. Vas-y, joue. Ah, c'est quoi ton problème? Joue à trois. Mais quel... Mec, laisse tomber, ton argent est fini. Hein? Allez, mais qu'est-ce qui te dérange? Mec, ton argent est fini. Allez, dépose. Ah, écoutez, les gars. Les gars, écoutez. Hein? Espèce d'incapable. Vous allez voir. Non. T'as perdu la tête? Espèce d'incapable. Oui, j'ai perdu la tête. Et je vais te montrer comment ça se passe. Attends, tu vas voir. Écoutez, si vous cherchez ou gardez vos petits minuscules machins et n'avez nulle part où les mettre, restez loin de ma famille. N'importe quoi. Attendez. C'est du carburant, c'est de l'essence, Seigneur Jésus. C'est du pétrole. Et je vais tous vous brûler si vous ne restez pas loin de ma sœur. N'importe quoi. Désolé. Non. Espèce de crétin. Destiny, tu as le courage de me verser du pétrole, c'est ça? Tu as le culot d'intimider ma propre sœur. Tu veux intimider ma petite sœur dans ce village? Tu es malade? Non. Je répète encore. Si vous manquez ou gardez vos petits trucs entre vos jambes et vous cherchez où les insérer, restez loin de ma famille. Sinon, vous allez me sentir... Non. Reste loin de ma petite sœur. Est-ce que c'est clair? Les gars, laissez-moi un peu. Pense d'imbécile. Destiny, sais-tu que je peux t'étrangler tout de suite là? Ok, tu vas m'étrangler? D'accord. Laisse-moi allumer ce feu, on verra qui va mourir le premier. Non. Viens m'étrangler, espèce de crétin. Tu veux m'étrangler? Le feu est là. Je vais vous brûler tous les trois. Laissez-moi vous prévenir, restez loin de ma famille. Est-ce que c'est clair? Restez loin de ma famille. Ça veut dire, si ma sœur se trouve à gauche, restez à droite. Sinon, la prochaine fois, ça ne sera pas du pétrole. Laissez ma sœur tranquille. Voilà, j'ai du feu. Bande d'enfoirés. Bah, vas-y. Bah, viens, je t'attends. Je veux m'étrangler. Restez loin de ma famille dans ce village. Espèce de crétin. Pauvre idiot. Bande incapable. Venez. Johnson, évite-moi dans ce village. Évite-moi. Calme-toi. Cette fille, elle est folle. Les mecs, les gars. Elle est folle, c'est ça? Non. D'accord, on va voir. Bande de crétins, idiot. Bande de petits bandits. Tu ne peux rien faire. Bande incapable. Les gars, imaginez, j'en ai marre de cette fille dans ce village, hein? Les gars, pourquoi la voulez-vous laisser partir? Non, elle veut m'enflammer. Où étais-tu, Destiny? Nulle part, maman. J'espère que tu n'es pas allée là-dehors créer d'autres problèmes. Hein? Il y a deux shawarma dans le plastique. Prends un et tu donnes l'autre à maman. Garde à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Ne sais-tu pas que tu es une fille? Agis comme tel. Sorette, est-ce que ça va? Mais tu trembles. Je lui ai fait une promesse. Une promesse à qui? À William? Je suis désolée. Apporte-moi de l'eau à boire. Ok. Où est-ce qu'il est? William!
Hé, hey Johnson, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu hurles? Tu veux gâter ce portail? Pourquoi tu hurles et aboies comme un chien? Donc je hurle maintenant, William. Donc je hurle. Oui. Écoute, ta copine a les yeux plus gros que le ventre. Tu t'imagines? Elle a réveillé ma colère dans ce village. Elle a eu l'audace de me verser du pétrole et elle était sur le point de m'enflammer. Mais vois-tu, William, tu vois ce feu? Ce feu qui brûle? Elle va brûler avec ça. Je vais lui en donner du feu. Tu vas voir. Tu dis qu'elle t'a versé du pétrole, mais je ne vois pas de feu sur toi. Ok, t'inquiète, t'inquiète. Tu vas voir le feu sur elle. Je vais la brûler, tu verras. Tu vois, en fait... Écoute, ne lui dis rien. Je vais l'importuner dans ce village. Moi, je vais l'étrangler, tu verras. Hein? Tu verras. Ah, ne va pas étrangler une femme. Ok, hein? T'inquiète pas. Un homme ne se bat pas avec c'est une femme. C'est ça qu'on voit, hein, t'inquiète. La honte. Ah. Oh, Delcini. Oh. Eh ben... Emily? Ah. Tu veux dire que Johnson lui a fait ça? Tu peux le voir de toi-même. Voilà pourquoi c'est je n'ai pas pu me retenir. Je ne pouvais pas me contrôler quand j'ai vu ça. Quoi? Il voulait t'aveugler? Non, mais regarde ça. Oh. T'es sérieuse, là? As-tu pris des médicaments? Oui, Sœur Destiny m'en a acheté. Quoi? Mais c'est quoi tout ça? Ça va aller. Tout ira bien, d'accord? Merci. Et merci d'être près de ma sœur. Tu y es vraiment fait pour elle. Qu'est-ce que c'est censé dire, Emily? Bien sûr, grande sœur. Tu n'arrives même pas à cacher tes sentiments pour lui, même quand il n'est pas là. Va à l'intérieur, sinon je vais te baumer l'autre œil. Il y aura deux yeux au beurre noir. Oh. Allez. Ça va. Du calme-toi. Calme-toi. Est-elle censée dire ce genre de choses? Ah, tu veux te transformer en Johnson 2? Hein? T'as pour ambition d'être Johnson 2? Calme-toi, d'accord? C'est juste... Allez, relax. Tu vois, elle s'est pas retenue pour me dire comment tu es admirable. William, il faut partir. Allez, on y va. Madame la défenseuse. La défenseuse des opprimés. Allez, bisous. Arrête ça. T'es malade? Bébé? Bébé? Mon Dieu! Attends, je vais te porter. Attends. Émilie ! Émilie !
Emily! Maman! Maman, viens! Williams! Quoi? Tu es mort? Sœurette! Tu es mort! Destiny! Que s'est-il passé? Une chaise! Apporte une chaise! Hey! Destiny, que s'est-il passé? De l'eau! A peur de l'eau! Dépêche-toi! Ma chérie, désolée, ok? Désolée, ma chérie. Hey, désolée, ma chérie. Vraiment désolée, William. Que lui est-il arrivé? Aïe. Hey, Emily, vas-y doucement. Je suis désolée. S'il te plaît. Maman, je l'ignore. Je rentrais du travail quand j'ai vu Johnson et sa bande d'amis. Hein? En train de la battre. Ils l'ont presque violée. Hey! Eh oh! Ma fille, oh! Désolée, ma chérie. Maman, t'en fais pas. Elle ira bien. Je dois aller à la police porter plainte. William, s'il te plaît. Laisse la police en dehors de ça, s'il te plaît. Maman. Tout ceci n'est pas une histoire à prendre à la légère. Hein? T'aurais vu ce qui se passait là-bas. Ils ont presque failli la tuer. Tu vois, Johnson et sa bande d'amis doivent être punis. Laisse-les partir. William, s'il te plaît. Laisse-les partir. Oh. Emily, doucement. Dieu merci, tu as été envoyée dans cette direction pour sauver ma fille de leur mauvaise œuvre. Écoute-moi. Si tu appelles la police pour ce Johnson, la police va te prendre de l'argent. Et en prendre aussi de ce Johnson et après le libérer. Parce qu'il a une sœur qui a le réseau et l'argent que nous n'avons pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ok? Hey! Si tu le dis, maman. Je le dis. Mais ces gardes dans ce village ont besoin... Désolé. Ils ont besoin d'une bonne correction. Désolé. Désolé, ma chérie. Je le dis. Dieu merci, tu es venue à temps. Désolé, ok? Hey! Maman, je pense que je devrais l'amener à l'hôpital pour qu'elle reçoive des soins correctement. Regarde-la, elle ne va pas assez bien. Mon fils... N'est-ce pas mieux qu'on fasse venir un traditionnaliste ici? L'hôpital est cher. Qu'on amène un traditionnaliste. Maman, t'en fais pas. Fais-moi confiance. Oh. Oui. Je suis content que tu ailles mieux. Le docteur a dit que tu pourras sortir juste après cette perfusion. Dieu merci. Je te remercie pour tout. C'est rien. Je ferai tout pour mon amour. Ouais, Emily. Je l'ai envoyé m'acheter à manger. Oh, d'accord. Ma petite chérie. Bébé, fais-moi l'amour tout de suite. Destiny. Attends, est-ce que tu vas bien là? Oui. Nous sommes dans un hôpital et d'ailleurs t'as encore un pansement sur la tête. Est-ce dans le pansement que tu vas mettre ton truc? De plus, on ne l'a pas encore fait dans un hôpital. Fais partie de l'aventure. Hey! Destiny! Calme-toi, t'es trop folle. Je suis folle. Mais tu m'aimes comme ça, non? Pas vrai? Tu n'aimes pas ça? C'est quoi cette histoire? Merci. Ne me remercie pas parce que je ne vais rien faire. Ah, mais plus tard, non? Rétablis-toi d'abord. On va nous attraper, Destiny. Lâche-moi. S'il te plaît. Oh mon Dieu, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. J'en ai fini avec cette relation, s'il te plaît. Je t'aime toujours. Je ne t'aime plus. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Je ne t'aime plus. Bébé, s'il te plaît. Je t'en supplie. Si tu me laisses, je vais mourir. Oh Seigneur, s'il te plaît. Fiche-moi la paix, s'il te plaît. Quelque chose doit bien te tuer. Si tu veux mourir, meurs. Si tu veux périr, fais-le. Fiche-moi la paix.
Madame, attendez. Arrêtez-vous. Où pensez-vous aller, hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Yabunage. Est-ce que je ressemble à votre fils? Ou alors vous n'arrivez plus à le reconnaître? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qui est votre fils? Regardez-moi. Regardez-moi cette femme. Je ressemble à votre fils-fils qui m'a tourné une cicatrice dans le dos. Mon fils a fait quoi? Il ne vous a rien dit? Non, il ne m'a rien dit du tout. Il ne lui a rien dit. Mais vous savez quoi? Je vais lui passer un message. À votre retour, dites-lui que ce n'était qu'une petite dose. La prochaine sera à l'avenir. Les gars, couchez-la moi. Mon fils. Denlo, 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 denlo. Ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Je vous en prie, mes enfants. Allez, couchez-vous. Aïe, pardon, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous en supplie. Couchez-vous. Allongez-vous bien. Je vous en prie, ne faites pas. Allez, couchez-vous. Couchez-vous. Allongez-vous bien. Qu'est-ce que je vous ai fait? Écoutez, on ne peut pas vous attacher, alors couchez-vous. Hein, couchez-vous. Couchez-vous. Oui, couchez-vous. Oui. Allez, couchez-vous. Oui. Je vous en prie, ne faites couchez-vous. Pas ça. Du calme. Oui. Oui. Mes enfants. Du calme. Je vous en prie. Fouettez moins fort. Désolé, hein. Tordu. Ce garçon s'en fait vraiment pour toi, Destinée. Maman, il se soucie tellement de Sœur Destinée. Vas-tu la fermer? Qui t'a demandé ton avis? Désolée, oh. Désolée. C'est pourquoi tu lui demandes de se taire? Maman, cette orange n'est pas sucrée. Destinée, maman. Suce ces oranges. Suce-les parce que c'est bon pour ta santé. Mais je peux prendre des comprimés. Je ne veux pas que tu prennes des médicaments. Regardez, prends des fruits. Il n'y a pas de jus à la presse. Ça n'a pas de jus. Presse. Mais c'est trop sec. Presse bien et du jus sortira. D'accord? Sœur Destinée. Tu devrais être contente. Comment t'es-tu là? Pourquoi est-ce que tu pleures? Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu pleures? Tu es tombée? Maman, parle-moi, que t'est-il arrivé? Maman, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant a vu la nudité de son parent. L'enfant a vu la nudité de son maman, parent. Maman, je t'en prie, tes proverbes là, je ne les comprends pas. Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Si tu ne t'étais pas battue avec Johnson, Johnson ne m'aurait pas couché à terre pour me fouetter comme un enfant. Hein? Johnson? Johnson a fouetté ma propre mère. Tu m'as humilié. William, tu m'as humilié. Hein, maman? Tu m'as tué. Johnson a fouetté ma mère. Attends, tu vas voir. Où est-ce qu'il est? Allez, sors, Johnson. Où es-tu? Sors! Allez, sors! Sors! Johnson, sors! Sors! Espèce d'idiot! Il est où, ce garçon? Allez, si t'es un homme, viens! Sors! Johnson? Où est-ce qu'il est? Allez, viens! Il est là, il est là! Allez, sors! William, il est où, Johnson? Il est où, ce garçon? Pourquoi est-ce que tu cours comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il est où, ton frère? Il a eu le culot de faire coucher ma mère et de la fouetter! Johnson! Johnson a fait quoi? Tu me le demandes, c'est ça? Tu me le demandes? Ok, d'accord. Ok. Écoute, dis à ton moins qu'à rien de frère. Je serai de retour, je te le dis. Je te le préviens, je vais revenir.
Je vais revenir. Il va me sentir, ce Johnson. Il va voir de quel bois je me chauffe. Calme-toi. Attends, tu me demandes de me calmer. Johnson a fouetté ta mère. Je ne te crois pas. Je ne m'attends pas à ce que tu crois à ça. Je ne m'attends pas à ce que tu crois à ça. La même famille. Le même sang qui coule dans vos veines. Bande d'idiots. Attends. T'en fais pas, je reviens. En fait, je vais laisser une marque. Je vais détruire quelque chose. William, hé. William. William, arrête. Mais c'est quoi ton problème? Arrête. Une marque que j'étais là. Une marque pour lui dire que je reviens. Dis-lui que je vais revenir. William, calme. William. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu ce gars aussi fâché. C'est quoi tout ça? Ah mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Ah, j'aurais dû rester en ville. Je n'ai pas d'énergie pour ça. Rentrer ici pour trouver tous ces problèmes. Ha! Ah, les gars, ma grande sœur est là. Ah, grande sœur. Comment tu vas? Ça, c'est ma grande sœur. Mon ami, dégage! Dégage! Tu es fou? Qu'est-ce que j'ai fait? La tête? Hein? Qu'est-ce qui t'a donné l'audace et le culot d'aller fouetter une femme âgée, en plus la mère de William? Tu es malade? Ah, grande sœur, mais tu aurais dû me demander. Non, mais il fallait me le demander. Hein? Sais-tu ce que ce fou de William a fait? Hein? Si je te montre. Ok. Ferme ta bouche. Boucle-la. Tu vois ça? Hein? Et même si c'était le cas, mais pourquoi ne l'as-tu donc pas affronté comme un homme? Comment as-tu pu aller fouetter sa mère? Tu es malade? Tu es cinglé? Grande sœur, ça n'a aucun sens. Donc tu m'as giflé de la sorte à cause de William, c'est ça? C'est pour ça? Ok. En tout cas, oublie ça, ce gars. Oublie ça, ce gars ne peut rien me faire. Tu es vraiment très stupide. Tu comprends? Tu es vraiment très très stupide. C'est comme ça que tu traînes dans le village avec tous ces crétins, ces idiots que tu suis partout. C'est ce que tu fais avec eux, salir l'image de notre famille. Tu es stupide de penser ça. Plus que stupide. Tu es chanceux qu'il ne t'ait pas trouvé ici avec toute la rage dans ses yeux. Il t'aurait battu. Il ne peut rien me faire. S'il revient ici, je vais la battre. Il ne peut rien me faire. Vraiment? Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à venir. Tu t'es poussé des ailes. Grand garçon, tu t'es poussé des ailes avec ces deux idiots. Messieurs, fichez le camp d'ici. Johnson, on se verra plus tard. Tout à l'heure, mec. Ne vous en faites pas, les gars, hein? Je vous appelle. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Tu me la fermes quand je te parle, monsieur. Tu es malade. Écoute-moi d'abord. Monsieur, ferme-la et ouvre-moi cette porte. Allez, dégage ici et ouvre-moi cette porte. C'est à cause de William que tu me cries dessus. Ah, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout. S'il revient ici, je ne vais pas du tout l'épargner. Try to stop our love, I'm not gonna let them. They may try to put us under, but I won't let them. Destiny, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je ne sais pas. La mère de William m'a chassée de chez eux. Elle l'a fait? Oui, et je ne sais pas pourquoi. Elle m'a chassée d'une manière désagréable et très sauvage. J'ai entendu dire que Johnson et ses amis l'auraient fouettée. Quoi? Où as-tu entendu ça? Maman, tu sais que je suis allée au marché et beaucoup de gens en parlaient. C'est vrai? Oui. Hey! C'est très grave.
Ah, voilà pourquoi elle m'a traité comme ça. Pourquoi William ne m'a rien dit, voyons. Pour que tu fasses quoi? Hein? Tu vas te lever malade pour aller combattre Johnson et ses amis. C'est ce que tu veux dire? C'est ce que tu es allé faire? Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Je ne vais pas laisser ça. Je ne comprends pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne comprends pas. Serait. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, on dirait qu'elle est fâchée. Alors, que veux-tu que je fasse? Hein? Que j'aille m'agenouiller devant maman Williams? Laisse-moi finir. Maman, s'il te plaît, doucement. Je ne tresse plus. Désolée, maman. Va au marché les terminer. Aïe! S'il te plaît, s'il te plaît, donc s'il te plaît. Toi, après ce que tu m'as fait, tu es allé loin et tapé sur la mère de William. Non, 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 ce n'était pas, ce n'était pas moi. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'était pas moi. Ce n'était pas toi, mais tu étais là quand ça s'est produit. Vous vouliez même me violer. Désolé, désolé. Je t'excuse. Tu vas voir, enfoiré. Maintenant, tu vas ramper et aller voir la mère de William pour présenter tes excuses. Espèce de... Mon pied. Désolé. Vous allez comprendre pourquoi on m'appelle Destiny King Kong. N'importe quoi. Espèce de crétin. Si vous voulez, revenez encore. On m'appelle Destiny King Kong. Grande sœur, tu ne décroches pas? Ton téléphone, il est en train de sonner, là. Et de quoi je me mêle? Rien. Et comment se porte ton fiancé, Monsieur Gabriel? Écoute, hein, Johnson, si tu ne veux pas qu'on ait des embrouilles, fais attention à ce que tu me dis. Est-ce que c'est clair? D'accord. Où est-ce que tu vas? Si je ne peux pas parler à ma propre sœur dans notre maison, c'est mieux que j'aille parler avec mes amis dehors. Non. Encore ce William. Non, il est pire. Il est pire. Bonjour. Salut.
Bonjour, William. Bonjour, William. Bonjour. Est-ce que tu sors? Oui, je sors. Alors, est-ce que je peux te déposer? Je ne me souviens pas de l'avoir demandé. Écoute, écoute, William. Attends, attends. William, on n'est pas en froid. Je me trompe? Et qu'est-ce qui te fait croire le contraire? Naomi, si nous gardons nos distances, ça nous fera plus de bien que de mal. Tu comprends? Merci. Attends, attends, William. Nous devons cesser de nous battre de la sorte. Nous ne devons pas. Je veux juste te parler, c'est tout. S'il te plaît. Excuse-moi. William. Okay. Mais où vas-tu? Allez, William. J'ai juste besoin de quelqu'un à qui parler. Je comprends que tu cherches quelqu'un à qui parler, mais pas moi. Parce que j'ai pas ce temps à gaspiller. Tu comprends? Ton frère et tes amis, il y a assez de personnes dans cette communauté à qui tu peux parler. Alors s'il te plaît, va les chercher. D'accord? Je crois bien que tu as un frère. J'ai pas assez de temps pour toi. William. Allez, William. Will... Oh. William, mais pourquoi es-tu si difficile? N'ai-je pas vu tous ces hommes riches avant de venir vers toi? Oh, Naomi, nous sommes arrivés au point où tu me bloques le chemin. Hein? On dirait un gangster. Eh bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais s'il te plaît, mais je t'en prie, sois assez clair. Je t'en prie, sois clair. Ne perturbe pas ma vie. Ok, ok, William. William, ok, je suis désolée, ok? Je suis désolée. Naomi, garde tes excuses pour toi. Laisse-moi tranquille, je veux être tranquille. Colle-moi la paix, s'il te plaît. William. Je veux ma paix, s'il te plaît. William, William. Nous sommes arrivés au point où tu bloques la route. Hey! Mais je vous attendais sur place. Tu as vu Johnson? Pourquoi ce retard? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Cette idiote, cette stupide et méchante fille m'a pris par surprise. Tu veux dire, c'est quoi son nom? Destiny. Destiny. Oui. Cette fille est très méchante si tu avais vu la haine sur son visage quand elle me frappait avec ses bâtons. Ah! Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai cru qu'elle avait oublié cette histoire. Pas du tout. Il ne s'agit pas de ça, mais... C'est par rapport à la mère de William. Et est-ce que tu as vu Johnson? Non. Pas du tout. Je n'ai pas pu. J'étais sur la route quand j'ai vu William et j'ai dû m'enfuir parce qu'il allait me faire pire. Je pense qu'il allait me faire pire que son frère. Mec, j'ai bien réfléchi. Ce que nous avons fait à sa mère, ce n'était vraiment pas bien. Toi et moi, nous avons des mères. Tu as réfléchi? Oui. Pourquoi n'as-tu pas dit à Johnson que ce qu'il a fait était mal? Ah. Puisque tu as réfléchi, as-tu une conscience au moins? Daniel... Nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes là parce que tout ce qu'on fait dans ce village est incité par Johnson. Souviens-toi que sa sœur est riche. Et elle a un homme très riche et influent. Qui pourrait nous sortir de n'importe quelle situation. Tu t'en souviens? Ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça.
S'il te plaît, je dois aller prendre un traitement. Ok, je te ramène chez toi, mon pote. Vu que nous n'allons pas voir Johnson aujourd'hui, ok? Laisse-moi voir, s'il te plaît. Non. Fais attention, mec. Grande sœur, tu connais Amaka? Elle va bientôt se marier. Je sais. Et tu seras là, n'est-ce pas? Je dois partir maintenant. Il faut que je bouge. Dans ce cas, alors, tu me gardes quelque chose. Salut. Est-ce que tout va bien? Emily, laisse-nous, s'il te plaît. D'accord, Sorette. J'ai appris que tu étais chez moi et ma mère t'a mise à la porte. Je vois qu'elle t'a dit. Oui. Alors, de quoi est-ce que tu parlais avec Naomi? Naomi? Oui, Naomi. On t'a vu discuter avec elle. Rien d'important. William, absolument tout est important là, maintenant. Parce que ta mère m'a foutu à la porte. Et je t'ai vu discuter... Tu sais quoi? Va-t'en. C'est pas à moi que tu viens de dire ça, Naomi. Ouais. C'est juste un lapsus. Maintenant, je m'appelle Naomi. Non. Destiny. Destiny. Retire tes sales pattes de moi, William. Bébé, je t'en prie, je suis désolé. D'accord, je n'ai rien à voir avec Naomi. Son nom est juste sorti de ma bouche. Tu m'as confondu à elle. Non. C'était juste un lapsus. Williams, t'es sûr que ça va bien, Naomi? Oh, mon Dieu. Alors maintenant, tu fais pleurer ma sœur. Sorette. Sorette, tu dois arrêter de pleurer. Je t'ai juste dit que je les ai vus ensemble. Mais ils ne faisaient rien. Tu ne pourras pas comprendre. Je sais que je ne pourrai pas comprendre. Mais tu dois arrêter de pleurer. Ne laisse pas maman te voir ainsi. Tu sais que ça lui fera du mal. Je sais.
Je veux juste être seule. Maman, c'était trop drôle. T'es tellement amusante. Ma fille, t'es tellement amusante, je t'assure. Maman, si tu avais vu ma réaction, on aurait dû une gamine sur le point d'être enterrée vive. Hein? Ce n'était pas drôle du tout. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je croyais bien t'avoir demandé de ne plus pointer ton visage ici. Tu fous quoi, là? William, c'est ainsi que tu salues ta mère. Maman, il n'y a pas le temps pour les plaisanteries, là, maintenant. T'es là à rigoler avec elle, au lieu de la chasser de cette concession comme tu as fait avec Destiny. Je te demande pardon, qui est Destiny? Écoute-moi très bien, ce ne sont pas tes affaires. N'ose même pas. S'il te plaît. William, tu as perdu la tête? Hein? Est-ce que tu as perdu la tête? C'est ainsi qu'on s'adresse à une vieille amie. Quelle vieille amie? Hein? Maman, quelle vieille amie, hein? Maman, t'es aussi naïve que t'as oublié aussi vite? T'as déjà oublié? Ne parle plus de la sorte à ta mère. N'essaye plus ça. Je dis non. C'est bon, maman, s'il te plaît, calme-toi, c'est bon. Non, ça ne va pas. Sais-tu combien de temps j'ai supporté la présence de cette fille dans cette maison? Maman, sais-tu combien de fois cette fille ici a brisé mon cœur? Le nombre de fois! Hein, maman? Est-ce que tu le connais? Courir après tous les hommes dans cette communauté et me foudre la honte! C'est quoi cette histoire? Et toi? Maman, écoute, il y a quelque chose que... Maman, j'évite de faire quelque chose. Il faudrait pas qu'un jour, cette fille nous crée des problèmes. S'il te plaît, j'ai pas envie de te manquer de respect, j'ai pas envie de te mal parler. Et toi, s'il te plaît, fous le camp d'ici. Elle doit partir. Elle n'a pas fini sa visite. Elle doit partir, maman, je suis très en colère là. Je suis très énervé. Je peux faire une gaffe. Maman, ça va. Je vais partir. Destiny! Destiny! Destiny, écoute, je t'en prie, écoute-moi. J'ai tout entendu. J'ai vu et j'ai tout entendu. Je croyais que j'avais tort quand j'étais envoyée balader. Maintenant, je sais que j'avais raison. Tu avais raison de me chasser de ta maison. Vu ce que tu as entendu et le fait que je t'ai pris pour quelqu'un d'autre, mais tu as tort de partir. Oui, puisque tu sous-entends avoir entendu ce que je disais chez moi. Je ne veux pas penser à ça maintenant, William. M'aimes-tu encore? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Et je n'ai pas la tête à ça actuellement. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois, si tu pars... Tu donnes le champ libre à ma mère de faire entrer une autre femme. De faire entrer une autre femme dans ma vie.
Et cette femme s'avère être Normie. Et c'est de ça qu'on parlait. Je suis désolé de t'avoir fait de mal. Je vais le répéter encore. Est-ce que tu m'aimes encore? Tu es tout ce qui compte pour moi. Je t'aime beaucoup. Reste avec moi, s'il te plaît. Sœurette, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air très nerveuse. Est-ce que tu connais une certaine Destiny? Destiny? Oh, bien sûr. C'est l'une de ces rebelles du village qui fout le bordel un peu de partout. Oui, elle frappe les gens. Je vois. Cette idiote est la copine de ton idiot ex-petit ami, oui, William. Tu as perdu la tête? Tu es malade? Comment oses-tu traiter William d'idiot? Je suis désolé, Sœurette. C'est juste que c'est un couple de deux misérables amoureux. Et en plus, j'ignore ce que tu trouves à ce William tout d'abord. Monsieur, vas-tu la fermer? Qu'est-ce que tu en sais? Comment oses-tu t'immiscer dans mes affaires? Quoi qu'en es-tu de l'amour? As-tu déjà eu une bonne femme dans ta vie? N'importe quoi. Monsieur, hors de ma vue. Bibi, je n'arrive pas à vivre sans toi. Gabriel, qu'est-ce que tu fais là? Normie, je ne peux pas vivre sans toi. Honnêtement. Normie, je t'ai appelé maintes fois, mais tu n'as pas pris mes appels. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal pour que tu me traites de la sorte? Y a-t-il quelque chose que tu m'as demandé que je ne t'ai pas donné? Gabriel, ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est la paix, et tu ne peux pas m'en donner. Ok, j'ai de sérieuses réflexions à faire. Je n'ai pas besoin qu'on me profère de l'amour maintenant. Encore moins venir chez moi pour le faire. Ok, d'accord. Je suis désolé pour ça, Si cet endroit n'est pas approprié pour toi, je veux dire, si ce n'est pas convenable pour parler, on peut aller chez moi. On y sera plus à l'aise pour discuter. Oh, vraiment? Donc, tu crois que me déclarer ton amour me ramènera dans cette maison? Attends, j'étais fauchée quand tu m'as rencontrée. Attends, où? Tu penses que je n'ai jamais été dans de meilleures maisons et immeubles? Écoute, Gabriel, j'ai habité et j'ai vu de meilleures maisons. Plus grandes que la tienne, plus belles que la tienne. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu, respecte-toi. Est-ce à cause de cette voiture bon marché que tu m'as offerte que je n'ai pas la paix? Je pourrais me l'offrir 2 fois, même 10 fois si je veux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis vraiment désolé, ok? Je sais que tu ne manques de rien. Et je sais que tu sais très bien prendre soin. Non, écoute. Je n'ai pas besoin de tes excuses, ok? Tout ce que je veux, c'est la paix d'esprit. La paix. Normie, tu n'imagines pas à quel point ma vie a été vide ces derniers jours. Normie, je me sens vide sans toi. Tu n'as même pas encore commencé à être vide sans moi. Ta vie était vide avant que je n'arrive. Alors remplis ce vide avec quelqu'un d'autre. Ok? Bien. Puisque tu as décidé de te mettre à l'aise dans cette maison, s'il te plaît, assieds-toi. J'ai mieux à faire là-dedans. Excuse-moi. Je suis désolé, monsieur. Mais elle est comme ça depuis qu'elle est rentrée.
Elle ira bien. Ok ? Awalavo iunanyani amaka Awalavo oh 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 Awalavo iunanyani amaka. Et voilà, c'est fait. C'est bon. Oui. Mais la cicatrice est là. Oui, oui. Mais ça va bientôt disparaître. Ça va. Je suis désolée. Maintenant, mon plâtre est enlevé. C'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape? Genre, je comprends pas. Tu as enlevé ma bande, alors laisse-moi retirer ton t-shirt. Ce que j'ai fait est un crime? Oui, et c'est un crime mutuel. Mmh. Mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, repose-toi un peu. C'est pas possible. Hey, bébé. Ne me dis pas que ça t'a tellement manqué. Bien sûr que oui. J'attends impatiemment ce moment, je t'assure. Mais ta mère est toujours en train de créer des problèmes pour rien. Bébé, pas aujourd'hui. Hein? Repose-toi un peu, relax. Bébé, aujourd'hui, on ira dans ta chambre. Juste un seul coup. Bébé. Ma mère va bientôt rentrer. Hein? Remettons ça une autre fois, s'il te plaît. J'irai à l'intérieur. Je vais me déshabiller et je t'attendrai. Comme ça, ça sera rapide. Je vais à l'intérieur. Madame me fait du chantage. C'est pas que je veux pas venir avec toi. Es-tu c'est juste que j'aime bien prendre mon temps. Es-tu avec toi, il faut... Oh. Attends, attends. Maman. Tu es venue me rendre visite? Sois la bienvenue, oh, ma fille, maman. Je suis désolée. Comment vas-tu? J'étais au marché. Maman, ça fait un moment fait longtemps que tu es là. Ce n'est rien, maman. Hey, ma fille. Sois la bienvenue, merci. Maman. Merci, sois la bienvenue. Maman, viens, viens, viens. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Ah. Maman, assieds-toi. Pour moi? Oui, maman. Pour moi? Oui, maman, tout ça, c'est pour toi. Hey, tout ça pour moi. Tineke, tout ça pour moi. Pour moi? Maman, tout aucune ça, c'est pour toi. Aucune fille ne m'avait jamais fait ça auparavant. Aucune fille ne m'avait jamais offert un cadeau. Tu as acheté ça pour moi? Maman, ce n'est rien. Ce n'est rien. Hey! Ça doit vraiment coûter cher. Oui, maman, en fait, ça coûte 15 000 naira chacun. 15 000 naira chacun? Donc ça, c'est du wax? Oui, maman, c'est du wax. Hey! Je suis tellement heureuse. Pardon, ma fille, laisse-moi danser. À chacun son tour, maman. À chacun son tour, à chacun son tour, à chacun son tour, à chacun son tour. Tout ça pour moi? Oui, maman. Hey! Contente que ça te plaise, maman. Mais, je te remercie. C'est rien, maman. Merci, hein? Hey! C'est vraiment très beau. Merci, ma je fille. Je t'en prie, ce n'est rien. Eh? Non, c'est quelque chose. Quelque chose de bien, quelque chose de classe. Je t'en prie, maman. Hey, Nez. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'en donne encore. Hey! Maman, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est lui, William. Je ne m'adresse pas à toi. Et pas à toi. William, Nam, ma fille que voici m'a acheté ses vêtements. C'est du wax. Tous ces pagnes, mon fils. Tous ces pagnes sont de la bonne qualité. Hein? Hey! C'est pour ça que je suis en jour. Tu devrais au moins lui dire merci, non? Hein? C'est tout? Oh, oh! Qu'est-ce que tu veux dire? C'est elle qui m'a acheté tous ces pagnes. Au lieu au moins de lui dire merci et l'apprécier, tu es ici à jouer l'indifférent. Est-ce que tu es normal? Maman, je t'ai entendu jubiler et crier. Je me suis dit que tu avais besoin de mon aide, mais ça, j'ai mieux à
Allons jubiler et célébrer pour nous. Destiny ! Destiny ! William, quoi ? Quoi ? Destiny ? Destiny ? Oui, bébé. Oui, viens. Toi aussi, attends, tu dois être contente. Allez, on y va. Qu'est-ce que... Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, non, je ne veux rien entendre. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi ? On appelle ça de la provocation. William, n'est fait. Maman, William, tu veux frapper ton fils juste à cause d'une fille idiote ? William, tu vas me tuer. Je t'en prie, permets-moi d'avoir la paix. Tu vas m'enterrer tout de suite. Mais maman, je veux... William, tu vas me tuer et m'enterrer tout de suite. Moi aussi, je veux m'amuser. Je vais te régner aujourd'hui. Quoi ? Je ne vais pas hésiter de te régner si elle ne part pas de chez moi. Va-t'en de chez moi. Non, attends, maman, s'il te plaît, attends, calme-toi. Tu veux m'empêcher de m'amuser ? Tu veux m'empêcher de jubiler aussi ? Je dois m'amuser. Je dois aussi m'amuser. Bien. On y est, Camusio. Maman, laisse-moi aussi avoir mon bonheur. On y est, d'accord, c'est bon, ça va. Attends, maman. Je vais te découper en morceaux. Je vais te découper en morceaux. Écoute-moi, tu vas laisser mon fils tranquille. Est-ce que c'est clair ? Je le redis, laisse mon fils tranquille. Si je t'attrape, je vais te réduire en miettes, Maman, ça va, c'est bon. Je vais te tuer avec mes contre-mains. Full contre-moi. Maman, c'est bon, calme-toi. Tu vas creuser ma tombe maintenant. Non, maman, c'est pas ça. Tu vas m'enterrer. Moi, ma propre mère, maman. Attends. Sors de ma concession. D'accord, c'est bon, on s'en va. J'ai compris, on s'en va. Toi aussi, jubile-toi avec ton invité. Je suis encore là. Laisse-la. Moi aussi, je vais jubiler avec ma copine. Non, on s'en va, non. Attends-moi. Ça va, on s'en va. Allez, retourne. Ça va. Pourquoi est-ce que tu fuis ? Il fallait rester. Fallait pas partir. Que je te vois encore dans cette maison. Tu sauras quel genre de personne je suis. Non, il fallait rester là. Vous auriez su de quoi je suis capable. Non, reviens encore ici et tu Maman, verras. C'est bon. Ma fille, maman, je t'en c'est prie. Bon, s'il te plaît, je calme-toi. Je suis vraiment désolée. C'est bon, je maman. Je suis vraiment désolée, c'est ma bon. Fille. Je suis vraiment désolée. C'est bon, maman. Pardonne-moi, Ça va, maman, ça va. Ça va, calme-toi. Tu es la bienvenue ici. Monsieur, s'il vous plaît, juste calmez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que ta sœur t'a dit à quelle heure elle rentrera ? Vous connaissez ma sœur. Ne jamais oser lui demander ce genre de choses. Vraiment ? Ok, j'aimerais qu'on parle, homme à homme. D'accord, monsieur. Non, laisse ce truc de monsieur, s'il te plaît. Je veux dire, vois-moi comme un pote, comme mon frère. Tu vois, raisonnons juste... comme des hommes. Penses-tu que ta sœur m'a fait quelque chose ? Je ne le sais pas, honnêtement. Cet argent est à toi. Oui. Je veux juste quelque chose de direct de ta part. Je veux juste savoir si ta sœur m'a fait quelque chose. Parce que je ne peux pas dire que je suis fou. Mais on dirait que ma folie est en train de se développer. C'est pourquoi je te demande. Comme un pote, confie-toi à moi. Qu'est-ce que ta sœur m'a fait ? Je vous le jure, monsieur, je ne le sais pas, hein? Je pense que vous êtes fou amoureux de ma sœur. Thank you.
sœur destinée. Tu es comme ça depuis que Frère William est parti. Pourquoi fais-tu cette tête? Émilie. Je ne dirai pas que je suis fatiguée de traîner avec William. Mais sa mère me fait avoir une pensée différente vis-à-vis de lui. Ah, serait, je sais. Mais tu connais Frère William. Il fait ce qu'il peut. Et il s'inquiète beaucoup pour toi. Je sais. Mais sa mère rend les choses très difficiles à chaque fois qu'elle me voit avec lui. Elle passe le temps à m'humilier et c'est vraiment désagréable. Ah, Sered, ça va aller. Je sais très bien que Frère William va résoudre tout ça. Il fait des efforts. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Sa mère est vraiment stressante. Sa mère est très stressante. Ah. Sered, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Sered. Sœur Destinée. Hein? Pourquoi tu cries mon... Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue te voir. Ok, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je n'ai pas ton numéro, je t'aurai appelé. Je suis venue te supplier de laisser William tranquille. Tu sais, j'aime encore William, beaucoup même. Et je ne peux pas partager l'homme que j'aime avec d'autres femmes. Donc, j'aimerais te demander, s'il te plaît, de le laisser tranquille. Tu as bien parlé, Naomi, mais t'as oublié une partie. Tu dis que t'aimes pas partager ton mec avec d'autres femmes. La question, c'est... Ne t'es-tu pas partagé aux autres hommes? Je te demande pardon. Essayes-tu de m'insulter? N'y pense même pas, sinon tu n'aimeras pas l'autre côté de moi. Hein? Voilà le point. Tu sais, un chien qui mord n'aimerait pas se faire mordre par un autre chien ou d'autres races. Écoute, tu vois ce que tu me dis là? Va dire ça à William. Comme ça, s'il t'accepte, alors bien, je te le laisserai avec plaisir. Mais s'il te refuse, ma chère Naomi, estime-toi heureuse qu'il t'ait pénétrée pendant toutes ces années. C'est une très longue guerre que tu viens juste de déclencher. C'est d'accord. Je vais prendre ça pour un compliment, parce que je suis venue te voir. Merci. Hey! Tu as vu ça? Sered, Sered, j'ignorais que tu pouvais dire de telles choses de ta bouche. Je t'en prie, mérite-t-elle de belles paroles venant de qui que ce soit? Mais Sered, c'était très dur. Une super, superbe pénétration d'enfer. Sered, tu dois m'en dire plus! Tu dois m'en dire plus! Justement, tu sais, un chien qui mord n'aimerait pas se faire mordre par des chiens de son espèce. Écoute, écoute, tu vois ce que tu racontes? Va le dire à William, alors comme ça, s'il t'accepte, je te le laisserai avec plaisir. Mais s'il refuse, ma chère Naomi, alors estime-toi heureuse qu'il t'ait pénétré pendant toutes ces années. Cette fille m'a vraiment dit toutes ces paroles. L'a-t-elle fait? Oh non.
Hey, toi, appelle-moi ta sœur. J'ai dit, appelle-moi ta sœur. Encore toi? Oui, c'est moi. Je vais prétendre ne pas avoir entendu toutes les bêtises que tu venais de me dire. Mais que ce soit clair, je ne reviendrai pas ici te demander de laisser William tranquille. Écoute, j'ai appris ce que mon frère t'a fait à toi et à la mère de William. Mais je suis différente. Je suis différente dans le sens que si je décide de te faire quelque chose... Oh mon Dieu, je finis. Et... Toi, tu aimes ta sœur, n'est-ce pas? Oui, et tu aimes ta mère également. Maintenant, écoute-moi bien. La prochaine fois, tu seras celle qui va nettoyer leurs blessures, dans leur peine et leur tristesse. Fais-moi confiance. Arrête, cette fille est folle. Elle m'a presque frappée là-bas. Elle est single. Salut. Gabriel. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es à mon entrée, s'il te plaît. Bouge ta voiture. Que veux-tu, Naomi? Je veux dire, c'est de l'eau. Naomi, je n'arrive même pas à dormir la nuit. Je passe des nuits blanches. Gabriel, donc tu penses qu'en bloquant l'entrée de chez moi, tu vas retrouver le sommeil? S'il te plaît, je t'en prie au nom de Dieu, bouge ta voiture. Ok. Ok. Calme-toi, ok? Mon cœur. J'ai un chèque de 5 millions de naira ici. Je veux dire, tu peux t'acheter ce que tu veux avec. Et s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Je suis vraiment désolé. C'est ça le problème, Gabriel. Tu penses que l'argent peut tout résoudre. Tu penses que l'argent peut résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas le cas. Parce que si c'était l'argent le souci, crois-moi, tu as déjà tout ce que tu veux. Le problème ici est que j'ignore ce que tu veux que je fasse pour te prouver que je t'aime énormément. J'ai désespérément besoin de toi. Merci. C'est d'accord, je vais y réfléchir. Ok, quand est-ce que j'aurai ta réponse? Est-ce que ça sera maintenant, demain ou... Tu veux qu'on entre? Tu vois, c'est exactement ça le problème. Tu penses qu'à chaque fois que tu me donnes de l'argent ou que tu me combles de cadeaux, ça signifie que tout va bien et que tu peux coucher avec moi. C'est bon, je vais t'appeler.
Où est-ce que tu vas? Ah. Où est-ce qu'elle va? On y va. Elle t'a dit tout ça? Ce n'était pas que des paroles. C'était une sérieuse confrontation. Sais-tu qu'elle a même soulevé l'incident avec maman? Vraiment? Oui. Elle a perdu la tête. Elle est très bête de s'être mêlée de cette affaire. N'importe bébé, quoi. Où est-ce que tu vas? La voir et régler ça une bonne fois pour toutes. Foutaise. Pourquoi est-ce que tu fuis? Elle est où, ta sœur? Où est Naomi? Pourquoi tu cherches ma sœur? Appelle-la moi tout de suite! Dépêche-toi! Je ne comprends pas, pourquoi tu cherches ma sœur? Oh, ok, donc c'est ma sœur que tu cherches maintenant? Tu peux ma sœur après avoir utilisé toute cette pauvre fille du village, n'est-ce pas? Attends, c'est un coup quoi ton nom? Johnson, c'est ça? Je suis pas là pour me discuter avec toi, d'accord? Appelle ta sœur tout de suite! Dépêche! Appelle-moi ta sœur tout de suite! Mec, attends, tu ne comprends pas? Tu n'es qu'un pauvre type, tu n'as rien à faire avec ma sœur! Oh, d'accord, maintenant je suis un pauvre type, c'est ça? Allez, sors! Sors de là! T'as couvré ce portail, non? Ouvre ce portail! Je suis un pauvre attends, type, tu veux te c'est ça, non? Allez, rapproche-toi que j'en finisse avec préviens, toi! Mec, tu es chez moi, je vais te faire ce que je veux! Je te jure, je vais te faire quelque chose! Ah! Si tu es chez moi, mec! Je suis sur toi, t'as qu'à sortir! Si tu te prends pour un homme, t'as qu'à sortir! Viens! T'es là, haussez les épaules! Et pourtant, t'as de la trouille, espèce d'idiot. Du con. Écoute bien. Avertis à ta sœur. Dis-lui de rester en dehors de ma famille et moi. Sinon, elle aura une leçon. Je vais lui donner une leçon. Et je ne voudrais rien savoir, même toi. Tous les deux, mélangez-vous tous, vous tous. Reviens-là. Je vais pas revenir ici me répéter. Mec, que ferait-elle avec ta famille? Tu ne comprends pas? Tu n'as même pas de quoi manger. D'accord. Je ne vais plus me répéter. Transmets ma nouvelle. C'est ce qu'on verra. Préviens Naomi pour moi! Préviens-la! Tu parles qu'elle reste en dehors de ma famille! N'importe quoi. Mais je ne comprends pas. Que ferait-elle avec ta famille, hein? Regarde cet idiot. Que je prévienne ma sœur de toi. Tu t'es bien vu? Tu as vu ta vie? Mais qu'est-ce que tu attends, t'es sorti! Regarde cette fripouille, idiot! Ce n'est pas comme si je te fuyais, mec. Je suis pas d'humeur à bagarrer aujourd'hui. Je ne veux pas me battre. Je sais de quoi je suis capable. Je ne veux pas me battre aujourd'hui. Je ne me battrai pas aujourd'hui. Je veux être seul. Oui, je vais bien, je réfléchis. À quoi est-ce que tu penses? Écoute, Johnson, j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un vrai homme. Et il n'y a qu'une personne qui peut remplir ce vide. Cette personne doit valoir le coup, tu sais. En passant, oui. J'ai pensé à ce dont on a parlé. À propos, oui, de ma visite chez Monsieur Gabriel. Oh oui, je me souviens. Johnson, tu peux y aller. S'il trouve ton offre intéressante, alors tu as beaucoup à gagner de lui. Mais sinon... Gabriel n'est pas du genre à dépenser son argent sur des mecs. Il préfère le faire avec des femmes. Il pourrait passer 10 ans en prison juste pour avoir une femme pendant 5 minutes. Écoute,
J'imagine que je dois revoir ma stratégie. Oui, bonne idée. En tout cas, il venait de partir, il n'y a pas longtemps. Il m'a donné un chèque de 5 millions de naira pour qu'on se réconcilie. Tu viens de dire 5 millions? Oui. On ira le décaisser demain, à la banque. Merde, Sœurette. Cet homme, il est prêt à tout pour voir ton slip. Tu es très stupide. Désolé, j'ai été emporté. Mon ami, va faire à manger, j'ai faim. Ok. En passant, c'est qui ce vrai homme dont tu parlais? William. Will quoi? Our love, oh, iunanyani amaka. Our love, oh, oh, oh. Our love, oh, iunanyani amaka. Our love, oh. Don't try to stop our love. I no go let them. They may try to put us under, but I won't let them. Mon bébé! Mon amour! Oh, mon prince charmant! William, oh, t'es mon meilleur! Bébé! L'ennemi! Hey! Bisous! Allez, fais-moi une bise là! Abat les jaloux! Des ennemis. Ennemis du progrès. Ennemis partout. Des ennemis. Mon bébé. C'est trop bon. Tourne pour moi. Viens là. Salut, Sœurette. Qu'as-tu dit à la mère de William? Oh, ça? Je lui ai dit exactement ce qu'elle devait entendre. Et quelle est cette chose qu'elle devait entendre? Que je ne suis pas bien pour William ou quoi? Non, que William n'est pas assez bien pour toi. Mais voyons. Ah, Seigneur, ce garçon. Combien de fois t'ai-je demandé de rester loin de mes affaires avec William? Combien de fois? Mais grande sœur, voyons. Ah, ne le vois-tu pas? William est un rat d'église. Hein? Il est fauché. Je veux dire, il est passé bien oh pour toi. C'est trop bien pour oh ce gars. Oh mon Dieu. Oh mon non, mais... Dieu. Johnson, remercie le ciel. Tu m'entends? Remercie le ciel aujourd'hui. Remercie le ciel. Foutaise. Espèce de... J'essaie de te défendre. J'essaie de te protéger. Tu es très stupide. Tu es plus que stupide de dire ça. Quel idiot. Hein? Pourquoi tu fais ça? Regarde. J'essaie juste de te protéger. Sœurette. Ça n'a aucun sens. Tu ne dois pas suivre ce mec. Je te le dis. Ne le calcule même pas, ce mec. Hein? Mais voyons. Attends, comment tu peux parler de William? Sœurette, écoute. Hein? On ne va pas se disputer à cause de William, d'accord? Hein? Cela n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Johnson, je suis amoureuse de William, je l'aime encore. J'ai rencontré des hommes plus riches que William.
ne vaut même pas leur domestique ou leur gardien. Mais il est différent. J'aime William. Johnson, je suis encore vraiment amoureuse de William. Allez, Sérette, hein? Tu dois arrêter ça, hein? Tu dois arrêter cela. Arrête ça, s'il te plaît. Ça n'a aucun sens. Cette histoire de William, hein? Ça ne passe pas. Johnson, je veux William. Et je suis même prête à tout faire pour le reconquérir. Alors, c'est à toi de voir si tu veux être à mes côtés en tant que ta sœur. Ou pas. Je l'aime. Je veux vieillir avec lui. Il est dans toutes mes pensées. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne viens pas de dire tout ça? Destiny. Maman. Tu vas bien? Non, maman. Est-ce que tu es... Est-ce que William est au courant de ça? Je l'ai appelé. Je l'ai appelé et il a dit qu'il arrive. Maman, bonjour. À t'entendre au téléphone, j'ai dû me dépêcher. Est-ce que tout va bien? Dis-lui. Je suis enceinte. Qu'est-ce que t'as dit? Elle est enceinte. De toi. Pour de vrai? Mais c'est une bonne nouvelle, non? Mais pourquoi vous faites toute cette tête? Attendez, mais... Mais c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est une bonne nouvelle. Ne t'en fais pas, maman. Je vais m'en occuper. J'apporte cette nouvelle directement à ma famille. Je suis prêt à tout, quels que soient les rites. Je suis prêt à payer tant qu'elle devienne ma femme. Je suis prêt à tout, je suis préparé à ça. Hein? Oh mon Dieu, je suis content. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Allez, sois contente, n'est-ce pas? Voilà, maman, t'es enceinte de moi. Oh mon Dieu, attends, je vais danser pour ça. Je vais danser pour toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, maman, c'est une très bonne nouvelle. Je dois aller au travail aujourd'hui, c'est... Il faut que j'aille voir tous mes proches. C'est une bonne nouvelle, maman. Dieu merci. Mais William, qu'est-ce qui... Maman, je te l'avais dit.
Je t'avais dit qu'il allait accepter. Et toi, la ferme. Ah. N'ose pas tomber enceinte avant le mariage. Sinon, hein, je vais t'écorcher vive. Maman, soyons contentes, soyons contentes. Contente de quoi? Maman, je veux du bouillon. Peux-tu le faire pour moi? Du chaud. Maman, allons lui préparer du bouillon. Mon ami, la ferme. Hein? N'as-tu pas vu William? Bonjour, maman. Bonjour, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, maman. Tu es la bienvenue. Maman, c'est comme si tu sors. Oui, je veux voir quelqu'un non pas loin ici au quartier. Oh. Ouais. Ok. Maman, avant de partir, puis-je parler avec toi, s'il te plaît? Ok. D'accord. Maman, écoute, je suis vraiment désolée pour ce que t'as fait, Johnson. Maman, William a été une vraie source de bonheur pour moi ces dernières années. Mais j'ai été très aveugle, au point de le laisser partir. Maman, je viens de réaliser que tout ce dont j'ai besoin dans la vie, c'est du bonheur et pas de l'argent. Maman, tu es une femme comme moi. Et tu sais ce qu'on ressent quand on aime vraiment un homme. J'aime William, maman, et Johnson, mon frère, refuse de le comprendre. S'il te plaît, maman, du plus profond de mon cœur, je suis vraiment désolée, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-le. Ah. En fait, c'est du passé, ma fille. C'est du passé. Ah, je n'ai plus rien contre ton frère. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, maman. Merci. Je t'en prie, ma fille. Maman et William, est-ce qu'il n'est pas là? Non, il est parti au boulot. Ok. Peut-être que je viendrai le voir plus tard. C'est d'accord, il n'y a pas de problème. Maman, merci, ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Je t'en prie, ce n'est rien. Merci encore. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Alors, est-ce que tu as des nouvelles pour moi? Pas vraiment. Mais je vous propose un moyen de reconquérir ma sœur. Hein? Génial, vraiment. Je m'attendais à ça la dernière fois qu'on a causé. Alors dis-moi, c'est quoi cette solution? Il y a ce gars qu'on appelle William. Une fois que vous vous serez débarrassé de lui, ma sœur sera à vous pour toujours. William? Qui est ce William? Est-ce le grand Dangote? Ou est-il de la haute classe? Non, c'est le fils d'un pauvre. D'un pauvre? Bien.
Écoute, je vais te donner 5 millions de naira. Si ça marche. 5 millions de naira? Expédié directement dans ton compte. Écoutez, monsieur, ça va bien marcher. Ah, ce gars, William n'est personne. Ça va marcher, monsieur. Je vous le promets, monsieur. Ça va marcher. T'en es sûr? Je suis sûr. Ça va marcher. Ça, c'est 300 000 naira cash. Juste pour ton transport. Mais... et si ça ne marchait pas? William, un âme. Viens, s'il te plaît, viens t'asseoir. Maman, s'il te plaît, j'ai pas envie de discuter avec toi. Nam, s'il te plaît. William, s'il te plaît, viens t'asseoir. Viens m'écouter, s'il te plaît. S'il te plaît, mon fils. S'il te plaît. Tu es mon Mario. Tu es mon fils et tu es mon mari. Tu sais que tu es mon mari. Tu es mon fils. En fait, je suis vraiment désolée. Je suis si désolée. Je n'aime pas le fait que tu te lèves chaque matin et que tu sortes sans même me parler. Hein? On dirait que toi et moi serons toujours en conflit. C'est toi mon mari maintenant, non? Hein? S'il te plaît, je suis vraiment, vraiment désolée. Pardonne-moi. Tu m'écoutes? Je croyais que j'étais en train de faire tout ce qu'une femme peut faire pour son fils. Mon fils, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman, destinée enceinte de moi. Qu'est-ce que tu as dit? Oui. J'allais informer tonton Nicolas et tonton Emeka par rapport à ça. Si tu veux, continue de me combattre dans cette maison. Je leur ai parlé de mon intention d'épouser Destinée et ils l'ont approuvé. Donc, voilà. Nam, je suis avec toi. Vraiment, maman? Oui. Merci, maman. Merci, maman. C'est bon, c'est bon. Merci. Toc, toc. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Toc, toc. Hey. Ma fille. Sois la bienvenue. Merci, maman. Sois Merci. La bienvenue, d'accord? Maman, je suis venue voir William. Il est là? Je t'ai dit qu'il est sorti. Jusqu'à présent, il n'est pas rentré. Ah, ok, maman, je dois y aller. Je reviendrai plus tard. C'est d'accord. Ma fille, il y a quelque chose sur laquelle je voudrais qu'on parle. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tout va bien. Tout va bien, tout est parfait. Il n'y a pas de souci. Destinée porte mon petit-fils maintenant. Et à ce propos, la famille de mon mari est vraiment impliquée. Donc, ce n'est plus une affaire cachée. Tu me comprends? C'est pourquoi je vais te demander de... s'il te plaît, arrête de venir ici chercher William. Pour que la paix règne. Hein, Onem? Maman, s'il te plaît, attends. Attends, je veux comprendre. Es-tu en train de dire que Destiny est enceinte de William? Exactement. Elle est enceinte de William. Et tous ses oncles sont impliqués. Il n'y a rien que je puisse faire. Ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi. T'es sûre qu'elle était au courant de ta grossesse? Oui. Vu ce qu'elle a dit, oui, elle savait. Elle le savait. Elle savait que je l'attendais. Comment? Hein? Personne n'est au courant de ça. À part mes oncles et nous. Et ils ne peuvent pas passer cette information aux inconnus. Alors, qui a pu bien faire ça? Qu'en est-il de maman? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Hey. Na. Maman, as-tu dit quelque chose à Naomi? Oui. Je lui ai dit ce qu'elle devait savoir. Je lui ai dit de rester loin de vous deux. Que d'autre lui as-tu dit? Je lui ai dit que j'attendais mon petit-fils. Hey! Je l'avais bien dit. Qu'est-ce qu'il y a? Nam, est-ce qu'il y a un problème? Oui, maman, elle a rencontré Naomi sur son chemin. Et elle a constaté des comportements étranges. Tu vois? Ouais. Ah, ne t'en fais pas. Elle ne peut rien te faire. Né, rien ne va t'arriver. Faut pas avoir peur. Tu comprends? Rien du tout, je suis avec vous. Mais okay? Maman... T'aurais pas dû... Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je l'ai fait parce que je voulais qu'elle parte. Ne vous en faites pas. C'est pour votre bien. Ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. C'est pour ça que vous faites cette tête. Ne t'en fais pas. Tu connais ma mère. Je lui fais confiance. S'arrête, ça va. Je lui fais confiance. C'est pas grave. Je lui fais confiance. S'arrête, ça va. Il y a quelqu'un? Toc, toc, il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Il y a quelqu'un dans cette maison? Toc, toc! Oh, maman, tu es là? Bon après-midi. Ai-je mal fait de te parler de la venue du futur enfant de mon fils? Maman, s'il te plaît, de quoi est-ce que tu parles? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne suis pas d'humeur pour ça. Oh, tu le sais. Naomi, tu sais très bien de quoi je parle. Parce que je te l'ai dit.
Plusieurs personnes essayent de tuer mon fils. Mon fils est maintenant en danger. Tuer William? Comment? Je ne sais pas. Mais je suis venue te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne veux pas, s'il te plaît, que nous soyons en guerre. Merci beaucoup. Ma chérie, restons en paix, oh? Maman, s'il te plaît, attends. Il y a un malentendu ici. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Parce que ça sonne un genre. Peu importe d'où vient ce malentendu. Ogodia l'ignore. Mais s'il y a une chose que je sais très bien, je ne mettrai la vie de mon fils en danger pour rien au monde. C'est mon unique fils. J'espère que tout est clair. Que je n'ai jamais vu de ma vie. Mmh. Vas-y, assois-toi. Merci. Alors, comment tu vas? Eh bien, ce n'est vraiment pas la grande forme, mais bon, mais que faire? Je me bats. Alors, que puis-je t'offrir? Oh non, pas besoin de le faire, je connais très bien le chemin. J'avais oublié, comme le temps passe. Mais tu sais quoi, chérie? Je suis tellement content que tu sois de retour. Je veux dire, te voir ici maintenant m'avait tellement manqué. Pas encore, Gabriel. Je ne suis pas de retour. Oh, pourquoi? S'il te plaît. J'ai besoin d'une faveur. Ok. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas demandé de faveur. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Crois-moi, je vais vite régler ça. J'ai besoin que tes hommes ôtent une vie. Ôtent une vie? La vie de qui? Elle n'est d'aucune utilité ni à toi, ni à moi. Ouais, mais je veux savoir qui est cette personne. Elle est une menace pour notre relation. Une menace? Chérie, quiconque est une menace pour notre relation doit mourir. Je vais envoyer cette personne en enfer. Crois-moi. Super. Et il faut que tu saches que si tu y parviens, tu auras la chance de me reconquérir dans ta vie. T'es sérieuse? Tout à fait. C'est fait. Absolument. Cesse de m'envoyer la fumée, je n'aime pas ça. Arrête de prétendre. Tu fais comme si tu ne fumes pas aussi. C'est vrai, je fume, mais je ne crache pas de la fumée sur le... Arrête tes histoires. Tu ne fumes pas souvent? Ah, ma sœur. Bonjour. Je vais bien. Elle est vivante? Est-ce qu'elle vit? Destiny. Allons. Destiny. Allons.
Mais qui aurait pu vouloir la tuer? Je crois que ces visages ne sont pas de ce village. Honnêtement, je l'ignore. Je ne sais pas. Cette histoire m'a l'air très étrange. Oui. C'est étrange. Je ne sais pas qui aurait pu faire ça. Ah. J'imagine que ce sont les mêmes gars qui m'ont tiré dessus, il y a quelques jours. Et ils étaient après toi. Et maintenant, Destiny. Ah, bizarre. Non, il y a un truc qui cloche dans tout ça. Les traîtres. Je vais vous remercier de lui avoir sauvé la vie. Merci beaucoup, vraiment, les gars. Merci beaucoup. Ce n'est rien. William, nous t'avons offensé plus d'une fois. Surtout ce que nous avons fait à ta mère. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. C'est bon. C'est du passé, maintenant. C'est du passé et on oublie. Vous en faites pas pour ça, c'est passé. C'est bon, il n'y a pas de problème. Encore merci beaucoup, les gars. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Bon, je suis avec ma belle famille. J'espère qu'elle ira bien, ok? Merci encore, les gars. J'espère qu'elle ira bien. D'accord. Prenez soin de vous. Merci. Vraiment, ce n'est pas bien. Je n'aime pas ce genre de personne. Sale traître. Oh. Alors, c'est comme ça que vous avez décidé de me récompenser après tout ce que j'ai fait pour vous, n'est-ce pas? Comment ça? Mais Johnson, calme-toi. De quoi est-ce que tu parles? Kingsley, ferme ta gueule. Je sais bien que vous êtes maintenant du côté de William. Oh. De quoi tu parles? C'est pourquoi vous avez refusé de venir chez moi en me racontant des bêtes excuses sur l'arrivée de ma propre sœur? Je vois. Comment ça? Ok, pas de problème. Boss, écoute, calme-toi, hein? Calme-toi, mon pote. Calme-toi. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Tu sais que ta sœur ne nous laisse pas rôder autour de chez toi, hein? Ouais. Oui, tu le sais bien, donc calme-toi. Vous savez quoi? Ne vous en faites pas. Je sais quoi faire des traîtres comme vous. Johnson, calme-toi, s'il te plaît. Non, ça va. Johnson! Laisse-le partir. Il se prend la grosse tête. Comme s'il pouvait nous bâtir un empire pour qu'on y vive. Toi, mon gars. Johnson. Laisse-le partir. Attends, laisse-le. Suivons-le. Laisse-le. Johnson. Mais suivons-le, mec. Tu es sûr que tout va bien, là? Johnson. Monsieur, allons-y. Elle est morte. Nous l'avons renversée avec la voiture. Nous étions sur le point de l'embarquer avec nous quand des gens ont commencé à alerter tout le monde. Du coup, on a dû s'enfuir immédiatement pour éviter d'être arrêté. Ça veut dire qu'elle est toujours en vie? Pas certainement, madame. Nous nous renseignons dans les hôpitaux d'à côté pour savoir s'il y a un patient accidenté. Et comme ça, nous saurons s'il est mort ou il vit toujours. Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Vous savez, si vous ne réussissez pas ce coup, votre boss ne me verra plus jamais. Et j'espère que vous savez aussi que vous ne serez pas payé. Oui, madame. S'il vous plaît, hors de ma vue. Elle doit avoir perdu la grossesse. Ce n'est que le début. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Main en l'air. Pardon, monsieur. Monsieur, monsieur. Lève tes mains. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Mets tes mains. Pardon, oh. Monsieur. Tu as dans une arme. Pardon, monsieur. À genoux. Donne-la-moi. Couche-toi. Couche-toi. Pardon, 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 monsieur. J'ai un état d'arrestation. Pardon, pardon. Écoutez, je suis un jeune homme comme vous, hein, hein. La ferme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, monsieur. Allez-y doucement, s'il vous plaît. Ah, ah. Je marche. Avancez, avancez. Je vais avancer. Avancez, avancez doucement. Avancez. Vous ignorez carrément à qui vous avez affaire. Votre boss ne vous a pas dit qui je suis. Écoutez, je vais tous vous donner une bonne leçon. Faites-moi confiance. Avançons, monsieur. Ne me parlez pas de la sorte. Vous êtes malade? S'il vous plaît, nous devons y aller. C'est mieux. Hé, restez loin de moi. Allez-y. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.